Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler tatou parce que je sais pas, c'est les vidéos que vous avez le plus envie de voir. Pourtant ma chaîne n'est pas portée sur les tatouages de base, mais bon, vu que j'ai envie de mettre ce que j'aime dans cette chaîne, je mets ce que j'aime, les tatouages je les aime, donc on va encore parler tatouages. Là ça va être le tatou tag que j'ai trouvé sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, je suis désolée. Et vu que je me suis fait retatouer il y a quelques jours au moment où je filme, je me suis dit que je pouvais faire ce tag. Après, les questions restent très banales, mais j'avais envie de le faire. Et puis comme vous me posez souvent des questions sur les tatouages, au moins là ça regroupe un peu toutes vos questions. Au cas où mon rouge à lèvres c'est pas du tout un mat, oui je regarde dans le retour écran parce que ça me fait bizarre, c'est pas un mat, c'est un métallique de chez Shop Miss A et j'ai plus la teinte, enfin, je sais plus ce que c'est le nom donc voilà. C'est parti, on commence tout de suite parce qu'il y a 10 questions. Alors la première question c'est combien j'ai de tatouages, donc là maintenant j'en ai 15 au moment où je filme puisqu'il y en a un petit nouveau qui est venu se greffer. Donc je vous ferai défiler mes tatouages en petite vidéo juste après. Pour que vous les voyez tous au cas où si vous les connaissez pas encore, je vous laisse regarder. Question, quel est mon préféré? Alors ça c'est la question la plus difficile je pense, parce que si je les ai fait sur moi c'est que je les aime tous. Après mon préféré en termes de qualité, de signification et tout, j'aime beaucoup celui que j'ai sur l'avant-bras, que j'ai fait il y a un an maintenant, puis je peux le voir tous les jours, enfin j'aime beaucoup le regarder. Après, j'aime tous mes tatouages évidemment, mais voilà, celui-là je l'aime énormément et je le trouve très beau, donc voilà. Je vais pas vous dire celui que je viens de faire parce que forcément ça paraît très logique, mais celui qui date d'un an, je l'aime beaucoup. Ensuite, question numéro 3, quel âge avais-tu lors de ton premier tatouage? Donc j'avais 16 ans, j'avais déjà dit... C'est quoi ces cheveux? Oh my god, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire de ces cheveux? Bref, bon je suis désolée, vous devrez faire avec ces cheveux là. Donc j'avais 16 ans, je l'avais déjà dit, je me suis pas fait tatouer dans un shop en fait, c'est mon ex-copain qui m'a tatouée. Et je suis désolée pour ceux que ça stresse que je touche mes cheveux, mais c'est comme ça. Donc je ne recommande absolument pas de vous faire tatouer trop jeune, après évidemment vous faites ce que vous voulez, mais déjà dans la plupart des salons ils ne tatouent pas en dessous de 18 ans. Je dis dans la plupart puisqu'il y a des exceptions. Mais en tout cas, moi, c'était 16 ans. Quatrième question, que pensent tes parents de tes tatouages? Alors, faut savoir que les trois premiers, je les ai fait dans le dos de mon père. Bon, c'est pas la solution non plus, mais voilà. Ma mère était au courant, elle aime beaucoup les tatouages. Elle en a un seul, un tout petit, mais elle aime beaucoup les tatouages. Donc que je me fasse tatouer, ça la dérange pas forcément, normalement. Et mon père, à la base, était totalement contre parce que premièrement, j'étais trop jeune. Et puis je trouvais que c'était un peu des conneries, enfin voilà. Et en fait, la tendance est un peu inversée, c'est-à-dire que depuis un peu plus d'un an, il s'est fait tatouer les deux mollets et tout le bras gauche. Oui, c'est le bras gauche, je crois qu'il l'a fait. Et là, le 15 octobre, il a... quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fait, mais il attaque l'autre bras. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'aimait pas les tatouages sur sa fille, et maintenant, c'est lui qui est tatoué, pas mal au final. Donc maintenant, il aime énormément mes tatouages et voilà, ça le dérange plus du tout. Ensuite, cinquième question, les tatouages sont-ils toujours plus? Alors oui. C'est juste que quand j'étais jeune, je partais un peu dans tous les sens et
Dieu merci, j'ai pas fait toutes les, enfin j'ai pas fait tous les tatouages que j'avais envie. Mais sinon, mon corps, ce serait un petit peu n'importe quoi. Déjà, bon, il y en a un petit peu partout, mais ça, après, c'est un choix. Et heureusement que je ne me suis pas écoutée, sinon je me serais fait les clichés de base de quand j'ai commencé à me faire tatouer. C'était les étoiles sur soit le poignet, soit le bas du ventre. J'ai absolument rien contre les personnes qui ont des étoiles. No stress, mais voilà. En fait, c'est sur un coup de tête et heureusement que je ne l'ai pas fait. Il y avait quoi? Les clés de sol aussi, alors que j'ai absolument jamais fait de musique. Enfin, j'adore la musique, hein, j'en écoute très très souvent, mais de là à me faire tatouer une clé de sol, peut-être pas. Donc voilà, il y avait quelques petits trucs comme ça que je voulais faire et heureusement je les ai pas faits. Et du coup, oui, on s'éloigne de la question, mais oui, les tatouages m'ont toujours plu et c'est pour ça que je me suis fait tatouer aussi jeune, je pense. Ensuite, question numéro 6. Alors, veux-tu plus de tatouages? Oui. Oui et oui, je ne sais pas du tout quand je m'arrêterai. Probablement quand j'aurai plus d'argent ou plus d'idées. Mais faut savoir que moi, quand j'ai commencé à me faire tatouer, ça a été très compliqué de ralentir la cadence, machin. Déjà, j'en ai fait 3 en 1 an et demi, alors que j'avais entre 16 et 18 ans, on va dire. J'en ai fait 3, après j'en ai fait 1. Enfin bref, j'ai un peu enchaîné et là en ce moment je me calme parce que c'est des pièces beaucoup plus grosses que je fais et il faut beaucoup plus de monnaie. Donc voilà, mais je ne sais pas quand je m'arrêterai. Probablement pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de projets. J'ai mon bras, tout le bras droit là à faire, j'ai tout le bras gauche à faire. J'en aimerais aussi un peu partout en fait. Donc du coup, je vous tiendrai au courant quand j'en ferai des autres. Suivez-moi sur les réseaux parce que je vous les montre à chaque fois en explosivité, tu vois. Donc suivez-moi sur les réseaux, tout est en barre d'infos au cas où. Question numéro 7. Pour quel tatouage as-tu le plus mal? Alors, je vais pas en choisir qu'un parce que j'ai eu mal pour pas mal de tatouages. Mais il y en a qui ont été quand même beaucoup plus douloureux que d'autres. Donc déjà, je vais commencer par le gros que j'ai dans le dos, donc mes ailes, parce qu'elles ont duré 7 heures. 7 heures. Donc j'ai pleuré, clairement, je n'en pouvais plus. Donc c'est un des tatouages qui a été le plus douloureux pendant et après, parce qu'après, il faut en prendre soin, il faut l'hydrater et tout, tous les jours. Et quand mon copain me mettait de la crème, parce qu'évidemment, je pouvais pas le faire toute seule, c'était horrible. J'avais le dos qui me brûlait. Donc évidemment un tatouage ça brûle, mais franchement c'était hardcore. Après si je devais le refaire, oui je le referais évidemment parce que c'est une signification énorme pour moi. Tous mes tatouages de toute façon ont une signification. Donc voilà, je les referais tous si je devais les refaire. Bref, c'est pas la question. Donc celui-là m'a fait très très mal. Et le petit soleil que j'ai dans le bas du dos aussi, parce que c'était sur la colonne, et enfin il est toujours sur la colonne, il n'y a pas bougé de place, et du coup ça m'a fait extrêmement mal. Mais en plus, heureusement qu'il était tout petit, heureusement que j'ai pas eu la brillante idée de le faire plus gros, mais j'ai eu très mal. Voilà, et on a dû le faire en 2 fois parce que il me faisait souffrir le martyr. 8e question, pour quel tatouage j'ai eu le moins mal? Alors il y en a eu plusieurs, je dirais déjà celui-là parce que j'ai absolument rien senti, mais quand je vous dis rien senti, c'est rien senti. Celui-là, j'ai pas eu mal non plus. Quoi d'autre? L'omoplate, mon soigné là derrière, j'ai pas eu mal non plus. Voilà, après vraiment la douleur, ça va dépendre des gens. Quand on me dit ah mais t'as eu mal à cet endroit-là, à cet endroit-là, en fonction de mon ressenti, je vais dire oui ou non. Mais ça se trouve l'autre, il va se faire tatouer 2 jours plus tard, il va avoir ultra mal. Moi, on m'avait dit que les côtes, ça faisait hyper mal. Et en fait, je me suis attendue à avoir tellement, tellement mal que la douleur est passée un petit peu plus crème, tu vois. J'ai eu mal, mais c'est passé un petit peu plus tranquille. Alors, question numéro 9, penses-tu faire enlever un tatouage? Je n'arrive plus à parler. Donc ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais en fait, celui que j'ai dans le bas du ventre, j'ai fait une vidéo sur mes tatouages ratés, je vous la mets, je sais jamais où c'est, par là. Par là, par là. Bref. Où je vous montre mes tatouages un peu foirés. Et du coup, il y en a un que j'ai pas envie de faire enlever parce que, premièrement, le laser, ça coûte une blinde, une blinde, une blinde. Et les tatouages, ça coûte déjà cher, mais le laser, c'est encore pire. Ça fait encore plus mal. Oui, j'ai foiré
Bref, le laser, ça laisse des traces et ça fait encore plus mal qu'un vrai, enfin, qu'un tatouage. Donc, je n'enlèverai aucun de mes tatouages, je les ferai recouvrir si j'ai plus envie de les avoir. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est ma date de naissance dans le bas du ventre. Non pas que je la regrette, absolument pas. C'est juste qu'elle a été complètement dégommée à cause de ma grossesse. Et du coup, bah heureusement, elle se voit pas forcément, mais moi je la vois et ça m'embête vraiment beaucoup. Donc je pense la faire. Enfin, je sais que je vais la faire recouvrir. Je sais pas encore par quoi, je sais pas encore quand parce que j'avais eu très très mal, mais je vais la faire recouvrir. Et enfin, dixième question. C'était pas dans le tag celle-là, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous le dire quand même. C'est combien m'ont coûté tous mes tatouages? Alors, je veux pas. J'ai pas envie de dire celui-là il m'a coûté tant, tant, tant. Je vais juste vous faire le prix global. J'ai calculé ça il y a 10 minutes. Et quand j'ai calculé, je me suis dit, oh my god. J'aurais pu faire plein de choses avec ça en fait. Mais je suis très très contente d'avoir dépensé cet argent dans mes tatouages. Parce que bah, c'est quelque chose qui reste à vie sur mon corps, en théorie. Sauf si j'en remplace un. Mais bon, c'est pas comme acheter du maquillage ou des fringues. C'est des trucs que tu vas poser dans un coin et que tu vas pas t'en servir ou que tu vas acheter ou que tu vas vendre. Non, le tatouage. Tu peux pas le vendre, tu peux pas le donner, donc voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? J'ai dépensé 2160 euros pour tous mes tatouages, en sachant qu'il y en a que j'ai bah, du coup pas payé, il y en a trois que j'ai pas payé. Après, il y en a, comme j'étais montée sur Paris, il m'avait fait un prix pour que j'en fasse trois. Enfin, j'en avais trois à faire, en gros, il m'a fait un plus petit prix parce que j'avais payé mon billet de train, tout ça, tout ça. Bon, bref, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout un peu. Sinon, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Mais en tout cas, voilà mon budget tatouage. Et bah, je vous dis, c'est pas fini. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que les vidéos de tatouage, vous m'en demandez tout le temps. Mais je me fais pas tatouer tous les 4 matins. Donc je peux pas vous en faire trop non plus. Si vous avez des idées de vidéos par rapport au tatouage, bah, dites-les-moi en commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment d'en parler des tatouages, que ce soit sur les soins, sur le choix du tatoueur, sur le choix du motif, sur bref, plusieurs sujets. Ça m'intéresse d'en parler. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire les sujets de vidéos sur les tatouages que vous voulez. Voilà, je crois que je me répète, mais bon, c'est pas grave. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, à laisser votre avis en commentaire, à liker, à partager, à activer la cloche, bref, tout ça, comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!